Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et puis, nous débutons avec la date. Donc, il est midi 52. On est lundi le 12 avril. Et puis, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une journée. Dans l'ensemble, la fin de semaine a été belle. Ça n'a pas été super chaud comme à Montréal. À Montréal, je le sais, il a fait 27. Ma mère me l'a dit. J'étais pas mal jalouse. Nous autres, le maximum qu'on a eu, je pense, c'est 13. OK, c'est mieux que rien. Mais je le sais, là, la chaleur va faire les parpaignes. Mais je ne désespère pas. Tu sais, écoute, là, on est juste au mois d'avril. Faut pas capoter. Là. Il va faire chaud ici avec, là, comme tout le monde. L'été va pogner. Puis on va être dans le lac, on va se baigner, on va être à la mer, puis on va triper, puis on va se faire bronzer au soleil. Sauf que j'ai pas la chance encore de profiter du soleil, d'aller dehors, me faire bronzer comme certaines d'entre vous qui semblerait-il auraient déjà un petit teint, hein? Vous allez vous reconnaître. Moi, j'ai pas encore de petit teint, j'étais encore blémette, puis j'ai bien hâte, là, tu sais, pourtant, je suis tout le temps dehors, là. Mais tu sais, je suis pas en train de faire mon petit bacon au soleil, là. J'ai hâte de faire le petit bacon au soleil, puis, tu sais, profiter de, tu sais, m'occuper de mon body, puis le mettre tout brun, tout beau. Puis, tu sais... Aussi, les maquillages ne sont plus les mêmes aussi quand c'est l'été. Hein? On fuck le maquillage, c'est la peau naturelle. Du mascara, du rouge à lèvres, même encore. Juste un peu de gloss, là, ça fait l'affaire. Mais ben du mascara. Waterproof. Faut que je m'en ajoute un cette année. Hein? Je ne sais pas si tu en connais un pas pire. Là, en grande surface, à me suggérer, écris-moi. Parce que je me cherche un tabarouette de bon mascara. J'ai essayé les mascaras d'essence. Le Lash Princess Waterproof. Sur moi, il n'est pas bon. Il y en a un de essence qui n'est pas si pire, là, un petit chipette là, avec un bouchon bleu. Il est tout petit, essence, je ne sais pas quoi. Là. Il n'est pas pire. C'est lui que j'avais utilisé l'année passée puis il était bien. Mais j'aimerais ça d'en avoir un là, comme la marque que j'utilise là, en ce moment. Là. J'aimerais tellement ça qu'ils le fassent dans Waterproof. Peut-être qu'ils le font. Je vais essayer de surveiller ça là, dans les prochains jours là, chez Winners. Voir peut-être qu'ils le font. Je serais trop heureuse, mais ça me surprendrait parce que c'est un mascara... C'est avec des bonnes compositions et tout ça. D'habitude, c'est rare, c'est waterproof. Ou quand ça l'est, ça ne doit pas valoir ben de la marde. Mais non, si tu as quelque chose à me suggérer là, en grande surface, let's go, écris-moi. Je vais être bien contente. Et puis là, ben, ce que je faisais, c'est que j'écoutais des petites vidéos. J'écoutais Missy Evelise. Elle faisait un petit vlog. Fait que j'écoutais son petit vlog. Et puis, c'est ça, là, je faisais pas grand-chose de spécial. J'étais arrivée de ma marche avec Jack. J'étais arrivée de ma marche avec Jack tantôt. Je voulais faire une grande marche, mais c'est mamouillé, fait que j'étais obligée de revenir. Là, je vais peut-être y retourner, je sais pas si il va mouiller, là, je sais plus, je sais pas si... Tu sais, c'est une journée qu'on sait pas. On sait pas si on devrait sortir, on a peur qu'il mouille, on peut pas aller trop loin, tu sais, c'est un peu poche. Mais... Je te montrerai ça tantôt par la fenêtre. J'ai même mes petites fleurs printanières qui ont poussé. Certaines sont en train de pousser. Il y en a que ça faisait un bout qui poussait depuis... il y avait eu de la neige dans l'autre vlog que je t'ai présenté avant. Tu as vu, dans le début du vlog, il y avait de la neige. On avait eu de la neige. Ça, c'est la semaine passée, la deux semaines. C'était déprimant. Mais anyway. Fait que là, je vais te laisser parce que je parle beaucoup trop. Je vais fermer ma ring light, pas l'oublier. Ah, ça dit bien aux yeux. Tu sais, quand t'as ça dans la face, Fatia. J'ai fait ce petit maquillage-là aussi. J'ai fait une vidéo éventuellement que tu vas voir passer sur ma chaîne. Ça, c'est éventuellement. Et puis, c'est ça. Là, je vais te laisser. Je vais continuer à écouter Missy Evelise. Et puis, quand je vais descendre en bas, je vais te filmer un petit peu le dehors, ce que ça a l'air. Fait que je te vois tantôt. Bon, ben salut tout le monde. Là, je suis en train de me faire un petit café dans ma petite machine. Je suis en train de me faire ça et je voulais vous montrer un peu le dehors. Tu sais, comme je te disais, c'est une journée un peu venteuse. Il fait 9. J'ai été me promener avec Jack tantôt. Mais tu sais, c'est pas une journée, là, full capotée. Tantôt, il faisait un peu de soleil. Je sais pas si le soleil va ressortir. J'aimerais ça qu'il ressorte un peu parce qu'il faut que je retourne promener mes chiens. Et puis, voilà, c'est mon petit coin café, ça. Fait que je suis en train de me préparer ça avec un petit Folgers. Eh oui, un petit Folgers. Fait que là, je suis avec Ben. Ben est avec moi. Il y a Charlotte qui est avec moi. Et il y a Jack. Tout le monde a sa petite place. Jack attend son poplou.
Puis moi, ben pour souper, je vais me montrer la face. Et moi, pour souper, ben je suis en train de faire une lasagne qui est au four. C'est pas moi qui ai fait ma lasagne, ne faites-vous-en pas. Je suis pas comme ça. Non, je sais faire de la lasagne, puis en plus, ma lasagne est très bonne, mais là, c'est pas moi qui l'ai fait moi-même. C'est la lasagne de chez Costco. Elle est super bonne. Pourquoi se casser la tête? C'est sûr, des fois, je rajoute des trucs. Des fois, je rajoute du fromage fumé, je préfère. Mais très bonne, je trouve. Fait que c'est pas mal relax. J'attends mon chum. On va aller avec les chiens. Ensuite, on va souper. Puis la petite soirée va commencer. La petite routine de la soirée. Fait que je vais peut-être vous revenir un peu plus tard. Sinon, je viendrai vous conclure cette petite journée-là. C'est sûr, je vais revenir plus tard. Oups, je viens de piler ce bim. Fait que je vous reviens plus tard. Bon, mais là, les filles, je prends ça relax. Je me suis fait mon café. J'étais assise dans mon salon. J'étais avec mes chiens. J'étais avec Jack. Jack qui attend. Son poplou qui est en train d'arriver de travailler. Ici, à côté de moi, il y a Charlotte. Ben oui, Charlotte. Charlotte. Oui, c'est Charlotte. Bon, Charlotte est avec moi. Donc, ben c'est ça. Là, je prends ça bien relax avec mon petit café. Mon chum va arriver bientôt, comme je vous ai dit. Je suis revenue avant votre temps. Hein? Je n'étais pas supposée de revenir tout de suite, mais finalement, je suis revenue. Vous me manquiez trop. Oh, mon chum y arrive. Je te reviens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pas fait la conclusion sur cette vidéo-là, sur la journée d'hier. Fait que je m'en excuse. J'ai comme tombé endormie, j'étais... Et puis là, on est rendu mardi. J'ai fait mon maquillage, je me suis levée de bonne heure. Je suis déjà maquillée. Il est quelle heure, là? Il est rendu 9h30, je pense. Non, il est 10h30. Wow! Moi, je pensais qu'il était 9h30. Fait que là, il est 10h30, on ne me voit plus, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de clarté ici. Et puis, ben, aujourd'hui, au programme, j'ai aucune idée. S'il fait même pas beau, c'est une journée un peu poche, un peu plate, nuageux, froid. Vous autres, à Montréal, vous avez des 18, des 27, mais nous autres, on a des 10, puis des 8. Mais je vous en veux pas. On dirait que je suis rouge, hein? On dirait que je suis rouge dans ma caméra, c'est bizarre. Pourtant, mon maquillage, je suis pas rouge. Anyway, ça doit être l'éclairage, la clarté de la journée. Fait que voilà, ben, j'ai pas grand-chose. Bon, je vais vous dire la date pour ceux qui aiment ça. Là, on est le mardi, comme j'ai dit tantôt. Et puis, mais quelle date? Ah, je suis nounoune. On est le 13 avril. Ouais, 13 avril. Et puis la météo, il fait 6. Ressenti 2. Je te niaise pas, là. Puis aujourd'hui, ben regarde, c'est nuageux. Des nuages, il va faire 7. Ça va être... Bleh. Fait que je vais arrêter de me plaindre. Je vais aller déjeuner, puis on se revoit tantôt. Salut, salut les filles! Et je vais vous conclure cette journée-là. Demain, on va être mercredi, le nombril de la semaine. Yes! Et là, je m'apprêtais à m'étendre dans mon lit. La journée est terminée, il est rendu 8h30. Fait que je vais aller m'installer, je vais écouter. Faites entrer l'accusé. Et puis là, j'allais me crémer. Puis je me crémais avec la sporituelle. J'ai acheté ça au Dollarama, lavande. Et j'en ai une autre pareille, mais à fraise. Ça, là, ça sent juste trop bon, girl. Ça sent vraiment super, trop bon. Donc, une journée sur deux, je mets une. Hier, j'ai mis elle. Donc, aujourd'hui, je mets celle-là. Fait que moi, je vous conclue la journée, puis je vous reviens demain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu, ben oui, mercredi. Mercredi, il est 9h58. Puis ça va super bien. Je me suis levée en forme un matin. Je me suis même fait un petit maquillage, comme tu peux constater. Je vais essayer d'aller vers la clarté pour que tu... Bon, là, il y a comme trop de lumière. Quand il y en a trop, tu vois pas bien. Donc, c'est un petit maquillage dans les tons bleus un peu pastel. Et voilà. Fait que c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, il y a du soleil, il était temps. Ça fait comme plusieurs jours qu'on manque un peu de soleil puis que c'est pas trop le fun. Puis qu'il fait froid. Là, je te dis pas qu'il va faire super chaud aujourd'hui. Il va faire environ 13. Mais je vais aller me promener avec tu sais qui?
Donc, on va pas le dire trop fort pour pas se faire achaler. Et puis, ben là, j'attends bientôt, je vais déjeuner. Fait que c'est ça que je vais faire. Ensuite, là, je ne sais pas si j'ai quelque chose de prévu, là. Pour le moment, non. On verra bien par la suite. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Et oh, il fait tellement beau, ça fait tellement du bien. Ah, je suis tellement contente. J'ai été marcher un matin avec Jack. Et j'arrive encore de marcher avec Jack. Fait que Jack aujourd'hui était vraiment, vraiment gâté. Il n'a pas à se plaindre parce qu'il y a eu deux belles grandes marches. Des belles grandes marches d'1 heure. Fait que, hein, je pense qu'il est pas mal gâté, pourri, mon Jack. Et puis, ben regarde, je vais te montrer dehors ce que ça a l'air. Là, j'ai de la misère à bouger parce que je suis en train de vlogger avec mon réflexe. Ce que je ne fais jamais. Habituellement, je vlogue qu'avec ma petite caméra. Là, je ne sais pas pourquoi, là, mais anyway. Je pense plus que je vais vlogger avec ça parce que c'est trop lourd. Ça me sert à bouger. Et là, si on regarde dehors, les filles, regardez, il y a du beau soleil, il y a du beau, beau soleil. La journée est super belle. Le ciel, il est bleu. T'as fait un zoom sur le ciel, c'est trop beau. Jacques va japper parce qu'il entend les quatre roues. Ça me surprend, il n'a pas jappé. Donc voilà. Mais c'est pas mal ça aujourd'hui. C'est vraiment une super de journée. Je suis trop contente. Toi, Jackie Boy, avec deux belles marches aujourd'hui, hein, t'es pas plein, non? Hein, gros? Oui, il y a des messieurs là-bas, il y a des gros, gros camions. Oui, là-bas, il y a des gros, gros camions. Il y en a qui sont en train de faire tout le terrassement devant leur maison. Nous autres, ça s'en vient cet été parce que là, sur notre gazon, on a des vers. Fait qu'il faut faire traiter, faut tout faire arracher le gazon cette année. Tout, tout, tout. Je sais pas si tu vas être capable de voir, là. Oh, je viens de piler sur Ben. Ah, excuse-moi, Ben, je l'avais pas vu. En tout cas, j'essaie de te faire un zoom. Je pense pas que tu vas voir, mais tu vois, là, dans le fond, là, j'essaie de mettre mon doigt. Bon, il y a comme des amas de terre. Ça, c'est tout où est-ce que les vers ont mangé le terrain. Et puis, on a fait venir un estimateur, puis ça nous coûterait 2 000 $ faire traiter ça. Faut vraiment. Ça fait 2 ans qu'on est pogné que ça. L'année passée, il nous avait essayé quelque chose. Ça n'a pas trop marché, mais là, il nous a dit qu'il va falloir qu'il arrache tout. On a appelé une autre compagnie. Puis eux autres, ils ont dit que c'est vraiment des vers, puis qu'il va falloir tout arracher. Fait qu'on va faire ça cet été pour enfin avoir un gazon potable. Je ne demande pas d'avoir un gazon super débile comme dans le 450 à Montréal, parce que moi, j'habite dans le bois. Je veux juste qu'il soit vert, qu'il soit beau. Parce que là, c'est rendu de la terre. On dirait qu'il a été labouré. C'est la même fleur à du gazon, là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que moi, je vais aller continuer ma vie. Je vais me faire un petit café. Puis on se revoit plus tard, nous autres. Oh, j'avais trop le goût de vous filmer mes petits amigos. Hey, vous pouvez vous abonner à mon TikTok. C'est les trois amigos, pas de S à amigo. Les trois amigos, pas de S. Tu devrais les trouver là, dans TikTok. Il y a Charlotte. Hey, Jack! Puis Jackie Boy. Jackie Boy. Hello, Ben. Bon, ben là, les filles, je suis en train de préparer mon souper. Regardez comme ça va être bon. Si ça t'intéresse de savoir ce que j'ai mis là-dedans, c'est j'ai fait cuire. J'avais des saucisses italiennes, j'aimais pas. J'ai enlevé comme la tripe, j'ai gardé le dedans de la saucisse. Je l'ai toute laissée dans une sauce, pas une sauce, mais un jus de tomate avec des grosses tomates là, en canne. J'ai mis des pois chiches, j'ai mis du bok choy. J'ai mis de l'ail, j'ai mis des oignons, qu'est-ce que j'ai mis d'autre là-dedans, des épices bien sûr, puis voilà, je vais manger ça ce soir avec un petit macaroni, ça va être sur un petit lit de macaroni, ça va être délicieux, là je vais faire mijoter ça jusqu'à 5 heures, par 5 heures on va manger, il est 4 heures, donc ça va mijoter à peu près 1 heure, ça va être excellent, ça va tout prendre les saveurs, ça va vraiment être super bon. Et Jack est d'accord avec nous autres, hein, Jack? Ça va-tu être super bon, Jack? Oui? Yes, ça va être bon. Donc voilà, gang. Ah, Charlotte aussi, elle dit que ça va être super bon. Ah, petit Benny aussi! Ah, ben, Colin, tout le monde va trouver ça bon à soi à l'esprit. Bon matin, on est rendu jeudi. Je suis avec Jack, on vient de se lever, il est 7 h 25. Je suis en train de préparer les treats. Puis je vais aller donner les treats. À Bénou! Allô, petit Bénou! Lui, il mange ça ici le matin. Comme ça. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est jeudi.
Je sais pas si j'ai vlogué aujourd'hui, j'ai aucun souvenir si j'ai vlogué. Je sais pas si j'ai vlogué un matin, je m'en souviens plus. En tout cas. Là, je vais conclure la journée. J'ai pas beaucoup vlogué parce que j'étais pas mal occupée. Fait que j'avais des petits trucs, j'étais faire mon épicerie, tout ça. Il a fait beau, j'en ai profité pour aller dehors. Ma fille est venue. Fait que dans ce temps-là, je filme pas trop quand je suis occupée, là. Habituellement, je garde le filmage pour quand c'est mollo. Et puis, ben c'est ça. Demain, ça va être un petit peu plus relax. C'est vendredi, annonce beau, fait que je vais probablement me emmener avec moi, marcher avec Jack. Puis ensuite, bon, on verra bien ce qu'on fait. En fin de semaine, il annonce pas bien, bien beau. Fait que ça va être pas mal relax. Fait que je conclue la journée, puis je vous reviens demain, vendredi. Ciao! Bon matin, on est vendredi. Et oui, déjà, ça va vite, la semaine passe vite. Et puis, aujourd'hui, annonce beau, mais ce matin, c'est un peu nuageux, mais ça va se dégager. Mais annonce beau, annonce, je pense, c'est 14-15. C'est quand même pas pire, sauf qu'il annonce un week-end un peu poche. Mais début de semaine, la semaine prochaine, super. Il va faire chaud puis beau. Yes, sir. Là, je crois que je vais même refaire un petit café parce que là, il est juste 8h04. Puis, j'ai fait mon ménage hier. Hier, là, j'étais en feu. Hier soir, mon chum, il est parti. Chez des amis, puis moi j'ai décidé de faire du ménage, de tasser le divan, de tout balayer en dessous, en tout cas. Avec des chiens, il faut faire ça régulièrement. Hein. Puis je me suis comme donné à fond. J'ai fait du beau ménage hier, fait qu'aujourd'hui j'ai comme rien à faire. Fait qu'il est de bonne heure, il est 8 heures. Je me suis levée tôt parce que mon chum travaillait le matin. Aujourd'hui, fait que je me suis levée à 6 heures. Habituellement, je me lève à 7h30 quand que mon chum travaille pas. Là. On se lève à 7h30, mais là, je me lève avec lui le matin quand il travaille. Puis, ben c'est ça, là, c'est pas mal tranquille. En tout cas, j'espère que ce sera pas une fausse impression, mais comme je vous dis, le matin, il annonce. Regarde, je vais te montrer. Fait que c'est un peu nuageux. C'est une journée un peu. Bon. Ça va se dégager, il faut pas perdre espoir. Puis moi, ben c'est ça, là, j'étais en train de réfléchir là, sur quoi je me ferais, là. Quelle sorte de café je me ferais. Je me fais un petit café comme ça, un petit café instant, je sais pas. Puis hier, j'ai acheté ça, tu sais, les biscuits de grand-mère, comme ça. J'ai acheté ça où, ça? Ah, chez Walmart. C'est des biscuits, moi j'aime bien, là, tu sais, c'est comme des pâtes d'ours, mais secs. C'est des biscuits secs à mélasse. Moi j'aime bien ça. Fait que je vais vous revenir plus tard, et puis c'est ça. Salut tout le monde! Et quand je découvre des youtubeurs, j'aime ça vous les montrer dans mes vlogs. Et j'ai découvert ce youtubeur-là. Je le suis sur Instagram depuis un petit bout. Puis lui aussi, il me suit. On se like mutuellement nos choses. Mais j'ai vu, je ne savais même pas qu'il y avait une chaîne. Je me suis aperçue qu'il y avait une chaîne YouTube. Et j'ai décidé de m'abonner. Et je tombe en amour avec ce gars-là. Je vais te dire c'est qui. Peut-être que tu le connais, peut-être que non. Mais il s'appelle, je vais te montrer sa chaîne. On va aller sur sa chaîne. Mounir. Attends. Je ne sais pas si on voit bien. Il va falloir que je fasse un zoom. Là. Mounir, c'est un Algérien, si je ne me trompe pas. Non, un Sibé. Il vient de la Syrie. Un Syrien. Anyway, là, je pense que c'est un peu embrouillé. Mais son nom, c'est Mounir, M-O-U-N-I-R, virgule S, Makeup World. Il est trop drôle, il est bon, il est simple, je l'adore. Donc, je te le conseille, mais il fait beaucoup de tutoriels make-up. Donc, ça le tente de découvrir sa chaîne. Vas-y, ça vaut la peine. Coucou tout le monde, comme vous pouvez constater, on est toujours la même journée. Je file vraiment pas. J'ai tombé malade tout d'un coup. Je vous avais déjà dit rapidement, j'aime pas. Tu sais, j'aime montrer ma vie en vidéo, mais j'aime pas compter ma vie au complet en détail. Mais j'ai des problèmes d'intestin. Donc, ça peut m'arriver comme ça, par surprise, une diarrhée soudaine, où tu sais, je peux plus vivre, je peux plus sortir de chez nous. J'ai de la misère à manger, il faut que je reste couchée. Je suis fatiguée. C'est l'enfer. Fait que c'est ça que j'ai en ce moment. C'est rare que vous me voyez sur le cul comme ça. Mais là, ça fait comme 4 fois que je vais aux toilettes. Je suis comme plus capable. Fait que je vais me reposer parce que quand j'ai ça, il faut vraiment que je m'hydrate énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et puis, ensuite, ben, faut que je me repose. Faut que je dorme. J'ai pas le choix, faut que je dorme. Fait que je voulais juste vous dire ça. Je vais vous conclure ma journée parce que je pense pas que ça va me tenter de filmer. Si je suis chanceuse, demain, ça va aller bien. Puis, même, ça va aller super bien. Des fois, ça va super mal, mais habituellement, le lendemain, ça va bien. Habituellement, c'est une couple d'heures que je suis comme ça. Ça peut être un 2 heures, un 6 heures, un 8 heures. Je ne sais jamais comment ça va être. Des fois, c'est léger, des fois, c'est intense. Des fois, j'ai des diarrhées intenses. Des fois, j'ai juste des maux de ventre. Pas de diarrhée, mais des maux de ventre intenses. Et souvent, ça m'amène. Quand je ne vais pas à la selle, c'est je vomis. C'est soit un ou l'autre. C'est soit je me mets à vomir parce que je suis pas capable de le faire sortir par le chemin par en bas. Ou si ça sort par le chemin en bas, ben je vomis pas. Je fais jamais les deux, là. C'est pas de la gastroentérite, là. Mais je préfère que ça me sorte par le cul parce qu'habituellement, ça me sort beaucoup par la bouche. J'espère que t'es pas en train de manger. Je suis désolée. Écoute ça, là. Je pense que ça va être marqué dans le top. D'écouter cette vidéo le plus tard possible. Je vous laisse, j'arrête de parler, il faut que je me repose, puis à bas. Fait que, à demain, les filles. Les gars, ciao. Salut tout le monde, on est Noël! Ah oui, c'est Noël, on veut des bébelles, c'est non, Noël. Comme tu peux voir, on est samedi matin et on est le 17. Le 17 ben, avril. Et puis, neige! Hey, c'est-tu beau, hein? Merveilleux. On aime ça. Puis après-midi, annonce de la pluie. Fait que tu vois dans quel shit qu'on est, hein? Fait que voilà, je voulais juste te montrer ça. Puis en même temps, je voulais te montrer petit Bénou. Ah, petit Bénou! Petit Bénou, il lave ses coudes, il lave ses petites pattes. Puis ici, on a petite Charlotte. Les petits amours de ma vie. Je les aime trop. Petit Jackie Doo, ben, il est en bas dans le sol avec son poplou.